Ici la chronique du conseil avec Marc-André Lavoie. Nous sommes sur Radio Centre-Ville 102.3 FM avec Chantal Lheureux, Jennifer Lébarker, les comptes à rendre. Merci Marc-André. Salut Chantal, ça va bien? Très bien. Bon matin, Jennifer. Bon matin. Ça a commencé smooth aujourd'hui, la musique? C'était... Oui, de quoi se réveiller? Ça s'appelle Flunk. C'est un album que... C'est un groupe que j'ai découvert dernièrement, puis j'aime beaucoup, beaucoup. Je vais vous présenter au courant de l'émission quelques petites chansons d'eux autres, de trois albums différents.
Donc, celui-là, c'était de l'album Morning Star. Ça s'appelait True Face. C'est un beau petit concept, ça, de nous présenter pas juste une pièce musicale, mais plusieurs. Revisiter l'œuvre musicale de tes groupes préférés. Oui, mais c'est pas nécessairement mes groupes préférés, mais ça, c'est nouveau. Je viens de découvrir. Ça fait une nouveauté. OK. Trois semaines, puis je les écoute tout le temps maintenant. Là. Puis si je me trompe pas, même qu'ils vont être à Chicago, ce qui s'en vient, il faudrait que je me renseigne pour être sûr. Ouais. Ah, ben merci. Alors finalement, Jennifer, il y a toute une programmation émission aujourd'hui. Ben oui, on a des artistes en studio. Bonjour mademoiselle, ça va bien? Oui, vous? Excellent. On a Catherine Blot en studio qu'on va venir un petit peu plus tard pour son entrevue. Et puis ben, on a Vanessa Clark qui va être avec nous à la fin de l'émission, qui va nous parler de son entrevue. Finalement, après presque un mois, oui, je vais finir par présenter. On a hâte, on était patients. De Éric Santerre. Exactement. Et puis pour commencer, tu vas nous présenter une nouvelle galerie à Montréal. Oui, fait que c'est toujours un événement quand il y a une nouvelle galerie à Montréal. Ça prend premièrement, c'est courageux d'ouvrir un nouvel espace de diffusion. Et le 7 avril dernier, donc, une nouvelle galerie ouverte sur la rue Crescent. C'est un lieu de diffusion des plus agréables, je vous dirais. J'y suis allée à l'inauguration, c'est très agréable, avec une touche de design luxueux. Alors, tout de rouge, des fauteuils rouges, du tapis rouge. Alors, c'était très agréable. Alors, il s'agit de l'espace Albert Alchem dans le centre-ville. Et j'ai le grand plaisir de joindre le directeur de cette nouvelle galerie, vraiment, qui est surnommé Bébé Rouge. Je vais nous expliquer pourquoi dans quelques instants. Alors, bonjour, bienvenue. Oui, bonjour. Quel plaisir. Alors, merci encore d'avoir répondu à cette invitation. Ça me fait plaisir. Oui, plaisir réciproque. Alors, parlez-nous de votre parcours. Hein. Au début, vous avez commencé, vous êtes maintenant artiste autodidacte, mais vous avez commencé comme DJ. Et vous avez, à ce moment-là, vous êtes produit de par le monde. Hein? C'est ça, j'étais dans ma jeunesse, j'étais DJ en Espagne, un peu à Paris, et puis en Israël aussi, en Allemagne. Et puis à partir de, j'étais DJ jusqu'à l'âge à peu près de 22-24 ans. Et puis là, je suis venu au Canada où j'ai commencé à faire du vêtement. Voilà. Oui. J'étais designer dans le vêtement pendant jusqu'à présent. Jusqu'à aujourd'hui, je suis toujours dans le domaine de la mode. Voilà. Et on ne peut que vous poser la question, qu'est-ce qui vous a amené de passer du design du vêtement, ce qui est encore, vous êtes encore impliqué dans le design de vêtements, mais à qu'est-ce qui vous a amené à ouvrir une galerie en plein centre-ville? Pardon? À la peinture ou au centre-ville? On peut parler, qu'est-ce qui vous a amené à la peinture tout d'abord, oui. À la peinture, oui. Ce qui m'a amené à la peinture, c'est que c'est quand même assez bizarre, c'est que il y a quelques années, j'ai acheté une maison que j'ai rénovée, qui était toute moderne, que j'ai refait toute moderne, et je me demandais quel genre de tableau que j'allais mettre dans cette maison, comme je trouvais que c'était très cher d'acheter des tableaux modernes, j'ai dit je vais commencer à peindre moi-même et faire mes propres tableaux. Voilà comment ça a commencé. Et puis j'ai commencé par faire de l'abstrait, et puis j'ai fini, comme aujourd'hui, à faire du street pop art, comme on appelle. C'est du collage avec de la peinture, et voilà. Donc je suis là rendu aujourd'hui. Ça a pris une ampleur, je l'ai fait en dilettant, en m'amusant, parce que c'est pas mon métier en fait, parce que je suis toujours dans le vêtement, comme je vous l'ai déjà dit. Et puis j'ai vendu à date à peu près une centaine de toiles, comme ça, juste par bouche à oreille, par des amis. Qui est quand même pas mal pour quelqu'un qui n'est pas connu du tout. Alors vous avez donc, à ce moment-là, vous revisitez donc le style street pop art et vous intéressez aussi à recycler des tableaux, hein? C'est ça. Ça, c'est récent que j'ai commencé ce genre de peinture. C'est des tableaux que je recycle, que j'achète un peu partout, à l'Armée du Salut, un peu partout, et que je recycle et que je relook à ma façon. C'est quelque chose qui est en Montréal, mais c'est déjà quand même aux États-Unis, à Miami, Los Angeles. C'est quand même un art qui commence à être un peu bien distribué, si vous voulez. Voilà. Oui. Alors, vous, c'est ce qui vous caractérise. Hein? Vous avez une belle percée internationale. Vous vendez beaucoup aux États-Unis?
Je vais aux États-Unis, j'ai vendu un peu en Chine, vu que je travaille aussi avec la Chine, donc j'ai quelques clients qui m'ont acheté quelques tableaux en Chine, aux États-Unis, à Miami surtout, et récemment j'ai vendu à New York, c'est des clients qui sont passés à la galerie, qui ont beaucoup aimé. Et puis, j'ai vendu quelques tableaux à New York. Et voilà, l'objectif, c'est d'être international, voilà, surtout. Oui. Alors, et vous revisitez ce style-là que vous décrivez, le street art, le street pop art. Vous le revisitez de quelle façon? En tout cas, vous aimez beaucoup, vous appréciez beaucoup les couleurs, hein, parce qu'elles sont très présentes dans vos œuvres. C'est ça, les couleurs. Et surtout, il y a beaucoup de vintage aussi. Oui. Il y a beaucoup de vintage, il y a beaucoup de, comme je vous, Audrey Hepburn, Brigitte Bardot, enfin, ce genre de mélange avec plein de couleurs et des fois je mets beaucoup du sparkling aussi, c'est de la peinture un peu fluorescente qui donne un peu de, qui caractérise un peu le tableau, si vous voulez, la peinture elle-même, voilà. Oui. Alors, vous avez opté pour, justement, inaugurer votre galerie avec une exposition de vos œuvres. Qu'est-ce qu'on peut voir sur place? Vous avez plusieurs œuvres? Oui, j'en ai pas mal. J'en ai vendu aussi pas mal pendant le vernissage. Et mon premier vernissage a été fait le 14 juillet 2015. Oui. Je l'ai fait dans un restaurant qui s'appelle Jatoba, qui est au centre-ville. Je l'ai fait dans une terrasse. Et j'avais présenté 21 de mes toiles et j'avais vendu les 21 toiles dans la même soirée. Eh mon, bravo, quel voilà. succès. Oui, c'est ça qui m'a encouragé, si vous voulez, un peu à ouvrir la galerie et à faire un autre vernissage. Oui, alors écoutez, et là, vos œuvres sont exposées, en ce cas, il y en a plusieurs dans différents formats, dont beaucoup de grands formats, ça c'est magnifique. Elles sont exposées pour jusqu'à quelle date, vos œuvres? Ben, c'est ma galerie. Donc, voilà, c'est la galerie est là, elle est présente, c'est moi qui ai ouvert, c'est ma propre galerie. Et que je pense éventuellement prendre aussi des nouveaux artistes. Oui, ça sont dans vos projets, leur chance, vos projets. Et les mettre dans ma galerie aussi, s'il y a des artistes qui veulent bien exposer, il n'y a aucun problème avec ça. Oui, d'accord. Alors, c'est une belle invitation transmise à des artistes. Et vous avez, à ce moment-là, vous êtes en train, j'imagine, comme nouvelle galerie, de vous créer un réseautage. C'est ça, exactement, exactement, exactement. Et puis, je pense que l'emplacement est très important aussi. Oui. C'est un emplacement très touristique. Et puis, on a quand même beaucoup de feedback par rapport à ça. Et les gens aiment beaucoup. Et moi, ça m'expose à plusieurs opportunités, si vous voulez. Voilà. Donc, ça qui est très important. Oui, c'est ça. Et là, parce que vous êtes, hein, il faut mentionner, là, on parlait de réseautage, beaucoup impliqué dans le milieu de la mode. Hein? C'est ça, dans la mode et puis un peu dans la restauration, un peu, enfin, disons que je suis une personne qui connaît pas mal de monde à Montréal. Voilà, on va dire que je suis quand même dans un milieu artistique, un milieu de mode, un milieu de nuit, un milieu de enfin, tout ce qui se passe à Montréal, je suis un peu une personne quand même assez... disons que je sors un peu et puis je connais un peu de monde, un peu dans tous les domaines, ce qui m'aide beaucoup aussi. Alors, vous avez tout ce qu'il faut pour être artiste, mais aussi assumer un nouveau rôle comme galeriste et représenter éventuellement des artistes, alors avec ce réseautage. Et... exactement. Pourquoi pas donner une opportunité aux gens si l'artiste convient à ma galerie, à ce que je fais, il n'y a aucun problème. Je suis prêt à exposer pour ces personnes. J'ai une amie qui est photographe aussi et qui va exposer bientôt aussi ses œuvres dans ma galerie. Donc, ça va se faire continuellement, quoi, si vous voulez. Et est-ce que vous êtes ouvert à différents... Vous allez rechercher des artistes, surtout qui font dans le street non, art? Non, pas non, spécialement. Non, okay. Non, pas spécialement. Qui va un peu avec la galerie, mais il faut que ça soit un peu différent de ce que je fais aussi. Comme ça, ça donne quand même un choix aux personnes de visiter la galerie. Ça peut être de la photo, ça peut être des statues, ça peut être n'importe quoi, quoi. Ça peut être quelque chose qui va dans l'art et dans la mesure où ça va dans un peu dans mon domaine aussi.
Donc, vous êtes ouvert à différents styles et différents médiums. Oui, bien sûr, bien sûr. Je ne pourrais pas terminer sans vous demander pourquoi on vous appelle Bébé Rouge. C'est ma dernière question. C'est une bonne question. Ça. On m'appelle Bébé le Rouge parce Bébé que dans ma jeunesse, j'avais des cheveux très roux. Oui. Et puis, comme je suis d'origine du Maroc, et puis au Maroc, c'est pas très courant d'être roux. Alors, on m'a appelé Bébé le Rouge pour me distinguer des autres. Quoi. Voilà. Alors, tout le monde me connaît sous le nom Bébé le Rouge, à travers le monde, si vous voulez. Alors, c'est un surnom, je croirais, très affectueux. Alors, merci beaucoup pour cet agréable entretien, Monsieur Albert Elkem. Et je vous félicite pour votre inauguration qui était bondée, beau succès. Et je vous souhaite un très bon démarrage. Alors, tenez-nous au courant de vos projets à venir. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonne continuation. Gentil. Bonne journée. Au revoir, merci. Au revoir. Très intéressant comme lieu, hein, absolument. Comme démarche aussi. Oui, oui, oui. Alors, et je pense que c'est quelqu'un qui est facile d'approche, quelqu'un là, qui est très branché. Alors, ça ne peut qu'aider les artistes. Oui, oui, c'est exactement ce que tu disais. Le réseautage est assez énorme. Oui, c'est intéressant, oui. c'est aussi un galeriste qui a une carrière internationale. Alors, si ça peut ouvrir des portes à l'international, tant mieux. Puis avec un réseau qui est différent d'une autre, comme qui disait, c'est le design de mode, c'est la cuisine, comme qui disait, les restos, etc. Oui. Donc, c'est pas nécessairement les milieux qu'on a d'habitude, nous, qu'on approche. Quoi. C'est ça, mais tout c'est quand même interrelié. Absolument. Alors, ça peut ouvrir non, des portes bien. Beaucoup quand c'est quelqu'un a un pied dans toutes ces différentes activités-là. Oui. Voilà. Alors, je vous tiens au courant de ces activités. Absolument, mais merci beaucoup. Albert Elkem, c'est un plaisir. Et puis, ben, on va retourner en petite pause musicale. C'est encore Flunk. J'ai décidé de mettre Cigarette Burns de l'album This Is What You Get. Donc, on va entendre un différent album cette fois-ci. À tantôt.
trouvais qu'elle était bonne, la chanson Marc-André. Fait qu'on voulait la laisser jusqu'au bout, on voulait pas l'enlever. Ouais. Mais ouais, c'est ça, c'est intéressant, comme tu disais tantôt, de présenter des albums, un style oui. au complet, c'était ouais, intéressant. Ouais, ouais. Fait que c'était un petit peu plus upbeat que la première chanson, c'était aller bien, plus loin bien. Que juste les hits, là, jouer ouais. à la radio, découvrir un album plus en profondeur, ben oui, merci. Jennifer, c'est de préparer ça chaque semaine depuis quelques temps. C'est bien. On apprécie. Ouais, ben, j'aime bien ça, mais ça me prend pas beaucoup de temps. Je choisis un band que j'aime beaucoup. Puis maintenant, mais tu sais, c'est pas ouais. comme avant. Avant, t'écoutais un album, puis s'il y avait deux chansons de bonnes sur l'album, c'était bien, là, presque. Mais maintenant, mm-hmm. on dirait que ben, c'est peut-être en cause de YouTube. Là, ils nous mettent toutes les meilleures tunes. Donc, veux pas, on découvre une dizaine de bonnes chansons de chaque groupe facilement, quoi. Mm. Donc, bon, on va passer en deuxième entrevue. J'ai un artiste de la relève, Catherine Blot. Bonjour, ça va bien? Oui, vous? Oui, super bien, super bien. Donc, ben, parle-moi un petit peu de toi. Comment je t'ai trouvé ici? Non, c'est pas vrai. Ben, en une fait, amie commune. Tout d'abord, parce que je suis coiffeuse. Ouais. Donc, une de mes clientes. Ah, c'est une référée. De tes clientes? OK. Ouais. C'est bon. Ça fait 3-4 ans là, qu'on se voit puis qu'elle essaie de me pousser dans le milieu artistique, disons. OK, c'est bon. C'est mon ancienne collègue d'atelier aussi. Ah oui? Ouais, ouais, ouais. Donc, c'est comme ça. Bon. Donc, ben c'est ça. C'est... Depuis quand es-tu artiste? Qu'est-ce que tu fais comme art? Décris-nous un petit peu vite fait. Pour que moi, c'est depuis toujours. Là. Quand j'étais très jeune, là, c'était l'artisanat. J'ai toujours eu un besoin de tâter la matière, de travailler avec mes mains. Donc, c'est venu très vite dans ma vie une façon de vivre un exutoire. Puis je trouve que artistiquement parlant, quand je crée, c'est une façon de prendre le contrôle de quelque chose puis de le perdre en même temps de par la matière. Donc la matière me guide, j'essaie de la contrôler, mais en même temps elle doit me guider. Voilà. OK. Puis ça te crée-tu un style de besoin pour créer? C'est sûr que j'ai le besoin de créer au quotidien depuis toute jeune. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis coiffeuse. Question de faire des sous au quotidien tout en créant. Donc, tu sculptes aussi, on peut dire. Oui, tout à fait. Mais je vois ça quand même d'une façon 2D, 3D. Là. Il y a une architecture dans la coupe et dans la couleur qui m'influence aussi dans ma technique artistique au terme de la peinture. Mon processus artistique est très influencé d'un bord et de l'autre, coiffeur-peinture. C'est quoi ton style de peinture? C'est de l'abstrait pour sûr. C'est un mélange de Mondrian, de Riopel, parce que je travaille beaucoup à la spatule. Je savais pas qui m'influençait, puis c'est par la suite que j'ai réalisé que je recréais ça avec d'autres couleurs. Du Jackson Pollock, parce que je fais du dripping aussi par-dessus. Puis du Daniel Buren, qui travaille beaucoup le noir et le blanc, plus en sculpture. Moi, j'essaie de suivre ça avec la ligne en 2D. Moi, je trouvais aussi que ça me faisait beaucoup penser à Guido Molinari aussi. Un artiste que j'ai connu beaucoup, moi, dans le temps. On m'en a parlé, mais j'ai aucun visuel qui me vient à l'esprit. Je vais t'en montrer après l'émission. OK, parfait, je suis intéressée. Ça a été, en fait, son dernier étudiant. Il était mon professeur d'art. Et aussi, à l'exposition, ce que Vanessa va nous parler tantôt, il était son petit-neveu de Guido Molinari, qui est Jean Molinari, était là aussi, qui va être une entrevue qu'on va avoir une autre fois, pas aujourd'hui, c'est bien ça? C'est quand même drôle qu'il y ait un lien derrière tout ça. Oui, ouais, mais il y a toujours un lien. Bon, je pense qu'on rit fort. Bon, et puis, continue à me parler un peu de comment ton style est apparu à toi, comment ce style, comment tu découvres? Semi par erreur, le dernier style que j'assume, là, à un moment donné, vient un temps où on doit s'assumer en tant qu'artiste, ou même dans la vie, dans un métier. Avant, t'es imposteur, puis après ça, tu l'acceptes que tu le fais pour vrai. C'est de la faute de ma mère qui m'a obligée de reprendre la spatule. Après plusieurs années d'absence, elle voulait une grosse toile en couleur fluorescente et ça faisait longtemps que j'avais pas travaillé cette technique-là. Et j'ai réalisé, je suis partie dès le départ avec mes trois couleurs fluorescentes et ça a fait du brun.
et j'ai réalisé que je pouvais nettoyer une toile après avoir fait un beau fond noir et blanc. Et j'ai dû faire des pratiques et de ça a découlé un tout nouveau style. Et puis là, j'ai pu arrêter d'en faire. C'était rendu une masse production, mon affaire. Ah oui, je comprends ça. Moi aussi, quand que je commence, je commence. C'est la même affaire. Je fais l'abstrait aussi. Je peux aussi, pas là, puis... n'en faire une à la fois. C'est non, pas possible. Même quand je suis assise chez nous, te relax, en affaire, j'en fais 4. Ouais, ben c'est ça. Moi, de la façon que je travaille, c'est plus efficace si j'en fais 10 que j'en fasse une. Même chose. Je m'installerai pas pour une de toute façon. Là, j'ai l'opportunité de m'être acheté une maison où il y a un atelier. Fait que peut-être qu'éventuellement, je vais m'affairer à une à la fois. pas besoin, justement. Maintenant, t'as plus d'espace. T'as pas besoin de faire une à la fois. Ouais. Mais faudrait que je travaille plus le côté vente, qui est un peu ma lacune en tant qu'artiste. Là, j'en ai beaucoup en stock. Bon, on dit que c'est 50% vente puis 50% de peinture. Je suis entièrement d'accord. Fait que t'as un entrepôt maintenant, pas un atelier. C'est ça. Exact. Chantal, si t'as des questions, gêne-toi pas. Oui. Et puis bon, tes inspirations, tantôt t'as nommé beaucoup de grands noms d'artistes, c'est-tu tes inspirations ou c'est les gens qui t'ont dit que tu ressembles à ça maintenant? Non, c'est totalement mes inspirations, c'est des artistes qui m'ont fascinée, soit consciemment ou inconsciemment. Le seul qu'on me dit auquel je ressemblais, que je savais pas, c'était Daniel Buren, puis, et pourtant je l'ai étudié en histoire de l'art parce que j'ai eu l'opportunité d'utiliser en art plastique au cégep puis à l'université. Peut-être qu'inconsciemment, il m'a inspirée. J'y aurais pas pensé si on me l'avait pas nommé. OK. Et quel est, alors à ce moment-là, ton parcours d'exposition jusqu'à présent? Ça a été fait un peu de façon autodidacte. Je m'étais donné un défi de faire une exposition dans un bar où je me tenais à l'époque, que j'aimais beaucoup, qui s'appelait le Gotha Lounge. Qui a changé de nom pour l'un et l'autre, je crois, dans le village. Ah, ben oui, ben oui. Sur Amherst. Oui, exact. Oui. Et à l'époque, il exposait plusieurs artistes à la fois, puis moi, je me suis dit, je vais décorer le bar. Et finalement, j'ai appris que le bar fermait, puis je me suis dit, non seulement je vais le décorer, je vais le fermer. Et fait que j'ai dû faire 30 toiles en 30 jours, tout en même temps, je devais faire ma pub, inviter le monde. Et j'ai rempli le bar à son insu, là. Le gars, il roulait pas sa bosse au bar, là. Fait que j'ai vendu la moitié de mes toiles le soir du vernissage. C'était la première fois que je faisais un vernissage par moi-même. C'est juste mes toiles, comparativement à l'école, t'en as une d'exposée. Et par la suite, dans les restaurants, les cafés et dans des salons de coiffure. Dans les salons de coiffure, ça, c'est original hein, pour exposer comme lieu de diffusion. Ben, disons que c'était plus facile pour moi. Oui, c'est très accessible. Mais oui. C'est aussi le temps que vous prenez le monde, on sont assis devant presque les toiles, puis vous avez le temps d'en jaser un peu. Parce que dans le temps, je travaillais à l'Artothèque, puis on louait beaucoup au salon de coiffure, puis ça marchait beaucoup. Ben, c'est une bonne idée, je trouve. Le seul problème que j'ai trouvé par rapport à exposer restaurant, café, salon de coiffure, c'est qu'il n'y a pas tant de ventes que ça. Il faut vraiment créer un événement, un vernissage pour pouvoir vendre. Donc, j'aspire à ça une fois que je vais m'être installée. Il va falloir que je vide mon entrepôt pour pouvoir plus créer dans mon atelier. Donc, c'est sûr que le prochain processus pour moi, c'est un vernissage. Étant donné que j'ai beaucoup de stock à montrer et pour ramasser des sous pour pouvoir en faire d'autres aussi, parce que ça coûte. Oui, absolument. Est-ce que tu as exposé en galerie jusqu'à présent? Pas en galerie non. Encore. Okay. Je dirais que je suis pas du tout fermée à l'idée. La galerie d'Albert Elkin, qui sait? Peut-être. Ça, j'ai regardé le flyer. Dans le passé, j'avais peur parce que j'assumais pas mon côté artiste. Oui. J'étais pas mais maintenant je l'accepte, fait que j'ai plus peur de ça. C'est sûr que ça serait intéressant de mais percer avec l'art là. Il y aura peut-être un Jennifer un match ce soir. Ouais, peut-être, ça pourrait être le fun. Un match artiste et galeriste. Ben ça serait le fun, mais c'est sûr que je suis intéressée à aller du moins voir sa galerie. Oui. Là.
Oui, c'est magnifique. C'est sur, c'est que Sherbrooke, c'est sur Crescent, proche de Sherbrooke, un petit peu au sud. Et d'autant plus que le style qui travaille, moi, c'est un style que j'aime beaucoup. Oui. Je suis pas allée tenter ce terrain-là, puis c'est surprenant. Ben, je l'ai frôlé. Mm-hmm. Puis j'ai décidé d'aller plus vers l'abstrait, mais je peux aller pas loin de lui. C'est un style que j'aime beaucoup. Les, aussi les graffitis qu'on voit de plus en plus émerger à Montréal, moi je trouve ça très intéressant. C'est une source d'inspiration pour toi? Les couleurs, je dirais, les lignes, les formes, parce que je fais dans l'abstrait. Mm-hmm. Je vais laisser à ceux qui sont bons dans ce qu'ils font faire ce qu'ils font. Si je m'y affairais, peut-être j'y arriverais, mais c'est pas mon style à moi. Donc, j'ai quand même l'œil d'artiste est impressionné aussi de voir ce que les autres font. Moi, je suis curieuse, Catherine Blot, est-ce que en dedans tu te sens plus coiffeuse ou artiste? c'est sûr que mon quotidien depuis 11 ans, c'est la coiffure. Et jamais j'aurais pensé devenir coiffeuse, là. Je coiffais pas des Barbies quand j'étais jeune, loin de là. Peut-être que je le faisais pas parce qu'inconsciemment, je savais que je le ferais tous les jours. Donc, je gardais mon temps d'enfance pour moi. C'est sûr que l'artiste est toujours, toujours présente, mais maintenant, mon œil est souvent posé sur les cheveux des autres. Même si parfois, je suis moi-même un cordonnier mal chaussé, j'essaie de toujours voir qu'est-ce que je pourrais faire sur les autres pour améliorer. Pour les embellir. Puis c'est une matière impressionnante. C'est une matière qui est vivante pour moi. Effectivement. Puis en plus, il y a quelqu'un qui parle en dessous. Donc, il y a quelque chose d'un peu intimiste d'être artiste. Des fois, le monde, il trouve ça glamour, mais on est tout seul dans notre pièce habillé en mou peinturé à faire nos œuvres, à être dans notre tête. Puis là, ben au quotidien, je dois faire des œuvres sur la tête des gens. Il y a comme l'humain en dessous, oui, là. Puis je peux faire ce que moi je veux, mais c'est pas ce que je désire faire. Moi, je veux faire le mi-chemin entre ce que le client, la cliente veut, puis ce que moi je vois qui serait mieux, tu sais. Donc, c'est un travail d'équipe pour moi, c'est ce qui est très stimulant. Par contre, en coiffure, il arrive parfois que je trouve ça moins créatif parce que j'ai atteint un pic. Donc, je me ramène dans l'art par la suite et ça stimule les deux côtés. Tu sais, la création, c'est un muscle. Oui, effectivement. Faut le stimuler. Oui, ben c'est important. Vous êtes rencontrés où, vous deux, Jennifer? Ben justement, comme au début de l'émission, on disait, c'est une de ses clientes en coiffure, oui. Justement, qui est mon ancienne collègue d'atelier. C'est là que vous êtes rencontrés. Puis aujourd'hui, vraiment? Ben je disais, ben en salon de coiffure, OK. On s'est rencontrés ici, en fait. Ah, ouais, c'est ça. Dans ici, le studio. Aujourd'hui. Okay. Grosso modo. Oui. Dernière question. Oui. Si on parlerait de, tu me parlais de tes lacunes. Ben c'est ça, je disais. Moi, je suis une personne qui travaille beaucoup avec mes mains, la matière, pinceau, ciseaux, peigne. La même chose en coiffure qu'en art. Ma lacune, c'est l'informatique. J'ai essayé plusieurs fois de prendre mes toiles en photo. Ça semble être la chose la plus compliquée au monde. Non, ça, il faut vraiment payer un professionnel, presque. Ben oui. Il faut avoir le budget de se faire faire un site web. Il y a beaucoup d'artistes qui sont prêts à faire une photo. Ben, pas une photo, mais un set de photos contre une œuvre. Il faudrait trouver quelqu'un c'est qui vrai, peut le faire. C'est vrai. Il faudrait que je fasse un l'échange de service. Pour un artiste, le troc, c'est la moitié de ta job aussi. Oui, tout à fait, mais ben, puis en même temps, l'autre côté positif, c'est qu'il y a quelqu'un qui met une de tes œuvres chez eux. Oui, oui. Tu as fait un truc, il y a quelqu'un qui va mettre son œuvre chez eux, c'est de la publicité en même temps. Tout à fait. Donc, tu as payé tes photos, tu as de la pub. En tout cas, si quelqu'un est prêt à le faire pour moi, je suis prête à échanger deux toiles pour un site web, quand même. Site web, ça, c'est autre chose que les photos, mais ça dépend. Peut-être que... Mais c'est important aujourd'hui. Mais le Facebook, ça là, comme ça. Ben, c'est ça. Fais la job. Tu n'as pas besoin nécessairement aujourd'hui d'un Facebook. Je veux dire, d'un site web. Un Facebook fait quand même la job. Ouais. Tu as des fan pages, des groupes, des pages, tu peux faire des événements. Il y a quand même des bons outils. C'est une bonne base, là, si tu n'as pas un site web. Mais je sais que moi, c'est ce que j'ai à travailler. Il faut que je m'assoie des heures à faire ça, ce qui n'est pas le côté plaisant
du travail d'artiste, mais c'est important de se vendre pour pouvoir plus créer, parce que comme j'ai dit au début, ça coûte de l'argent de le faire. Puis quand tu décides de faire une collection, disons, ben il faut que tu te libères de cette collection-là, sinon tu t'y accroches puis tu fais juste cumuler des toiles chez vous. Ou tu peux repeindre par-dessus, mais c'est un peu dommage. Puis ben moi, j'ai déjà décoré toutes les maisons, les apparts de tout le monde que je connais. Ouais, fait que faut que j'ouvre mes horizons. En parlant de publicité, on te trouve où sur Facebook? Sur 4 Blow Coiffeurs, 4 C-A-T-H, Blow B-L-A-U et Coiffeurs. Là-dessus, on peut te c'est mon site professionnel, mes œuvres et tout. Tout moi, l'artiste. Excellent. Ben, merci beaucoup. Merci. Et est-ce que tu aurais exposé dans un salon de coiffure, les garçons coiffants? Les garçons sculpteurs, oui. Les garçons sculpteurs, c'est là que je me rappelle t'avoir découvert quelques-unes de tes œuvres. Ah, je ben... m'en rappelle. D'accord. Bon, fait qu'on... Oui, tu as autre chose? Ben, c'est-à-dire qu'on a... J'ai fait un petit album, alors je vais essayer de le remettre, de le réactiver, excellent, cet album-là qui a déjà été fait dans le passé. Ah, parfait. Wow, oui. On va voir quelques œuvres, on va pouvoir les suivre sur In Situ. Voilà. Donc, on revient avec Flunk. Et puis, cette fois-ci, je mets un autre album encore. J'avais dit... Sunday People. OK, j'avais dit Sunday People. Don't Bang the Drum. C'est de l'album For Sleepy Heads Only. Puis, espérons que je vais en avoir une autre à vous faire entendre à la fin. À tantôt.
On rentre en troisième partie. C'est vrai, ça sonnait un peu Barry White. Ouais, c'est d'ambiance. Bon, comme troisième partie, on a, ben, on, Chantal, puis moi, on en a déjà parlé de l'idée fille. Que de l'exposition qu'il y avait eu là pendant un an avec Emmanuel Laflamme. Oui, la galerie éphémère. Éphémère, ouais, là, qui a là, qui disparu doit... maintenant. Là. Elle est disparue maintenant. Mais ça doit, ils nous ont dit qu'après okay. le mois qu'il n'y en avait plus. Sait-on là. Jamais, ça serait à vérifier quand même. Oui, il faudrait regarder. Hein. Donc, la dernière exposition qu'il y a eu, on était tous là, mais donc Vanessa a pris l'entrevue avec Éric Santerre. Salut Vanessa, ça va bien? Oui, ça va bien, et vous? Oui, finalement, on passe en entrevue avec... Finalement, après un mois d'attente. À peu près. C'est passé beaucoup de choses, mais bref, oui, donc j'ai eu la chance d'interviewer Éric Santerre, de son nom d'artiste, Santerre. D'ailleurs, si vous voulez le communiquer avec lui, c'est sous le nom Santerre qu'il faut... lui envoyer des mails ou sur sa page Facebook Santerre. Donc c'est ça, on va entendre la première partie de mon entrevue qui Éric Santerre est vraiment un artiste extrêmement généreux de son temps et ça a été super intéressant. Excellent. Donc, on entend la première partie. Puis comme vous allez voir, c'est un peu sur le flair, c'est un peu rapide, c'est le fun, c'est bien enthousiaste. C'est dans le feu de l'action. C'est vraiment absolument. Pendant l'exposition que je l'ai interviewé. Ouais, on vous reparle tout de suite. Ouais. C'est quoi, mettons, ton ratio création puis commande? Pas un chiffre exact, là, mais est-ce que tu as beaucoup de commandes? Ouais, je suis... Ouais, okay. Je te dirais, dans les trois dernières années... Ça a été que des commandes, presque. OK. Ouais. Ça fait combien de temps que tu... Mettons, j'ai vu que tu étais exposé au Vatican. Oui, j'ai exposé au Vatican. C'est quand, ça? En novembre 2014. Ouais. Est-ce que c'est pas mal le paroxysme de... Non. Non, parce que j'ai exposé au Louvre. J'ai exposé à Bruges, puis là, je m'en vais exposer au Festival de Cannes. Wow. Comme ça, 2016? Oui, en mai. Wow, OK. Festival, ouais, au début, je faisais que des commandes parce que la demande était là, les gens... Okay. Et je l'offrais aux gens, je voulais que l'art soit vraiment personnel. Ouais. Puis j'allais avec l'imagination et l'idée des gens. OK. Puis là... OK, les gens vont carrément te dire « j'ai telle idée ». Ouais, j'ai c'est telle idée. C'est pas toi qui... OK. Ouais, ça, c'est les commandes. Une fois, moi, je vais rencontrer les gens puis je me laisse inspirer par le milieu chez eux. Wow! Ouais, c'est le fun. Ça prend beaucoup, ça vient couper aussi un peu mon imaginaire à moi. Puis aussi, probablement, ça sort de ta vie. Ça limite, ouais, c'est ça. Tu sors, tu sais, presque toutes les toiles qui sont exposées ici. Ouais. Toutes les toiles qui sont ici à soir, sauf une, c'est toutes des créations de moi. Il y a une commande spéciale en descendant les marches en bas à droite. C'est la droite, celle qui est multicolore, là, ouais, qui est parfaite. C'est une commande spéciale, sinon tout le reste, c'est bon à savoir. Quand c'est pour moi, là, je crée, puis ça prend pas de temps, là. Ça sort, là, boum, 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 boum. Voilà. Mettons, pour terminer, est-ce que ça t'arrive de faire quelque chose de... Parce que j'ai vu que c'est plutôt, comme je te disais, coloré, très, 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 très funky. Est-ce que ça t'arrive de faire quelque chose de dark? J'ai commencé avec du dark. J'ai commencé, c'était que noir. C'était. OK. Ouais, celle-là, moi, c'était. Oui, OK, je vais la filmer, celle-là. Ouais, je vais la mettre dans le. C'était que ça, noir. Ça, c'est quelle année? Ça, c'est 2006, ouais. OK, 2006. Ouais. Est-ce que c'était à tes débuts? Ouais, début. OK. Début. Deux, ça fait 10 ans déjà. Wow. Mais j'ai vu aussi que tu faisais des. Tu partais de tableaux un peu kitsch, sans auteur. Exact. Puis là, tu les s'enterris. Ouais, c'est mais... ça, je les s'enterris. La dernière exposition qu'on a fait ici, j'en avais une là. OK. Moi, ouais, je fais ça. Est-ce que c'est quelque chose que tu fais depuis récemment ou tu as toujours fait ça? Ouais, moi, j'ai tout le temps fait ça. OK. Ouais, je trouve des tableaux, là, déjà. Genre, tu vas dans des bazars ou. Ouais, ou carrément à des vidanges. Si il est en bon état, je le ramasse. Puis si, mettons, il est vraiment pas en bon état. OK. Là, non. OK. Non, s'il faut que ce soit en bon état. Puis il y en a un que j'ai ramassé. Juste le cadre valait à peu près 500 $. Juste le cadre en entour.
Wow. J'ai fait, OK, il faut que je travaille, faut que je fais mes secondes. Oui, c'est ça. Puis souvent, j'ai remarqué, c'est ça, il y avait la femme nue, là, couchée le gazon, il y avait les pandas. C'est souvent des trucs un peu kitsch, on là. Essaie, de leur donner une seconde vie, parce que c'est sûr qu'ils s'en vont aux poubelles ou... Tu sais, le monde veut pas avoir ça, là. Ouais. Moi, au niveau des couleurs, j'ai remarqué que tu utilises des couleurs extrêmement bold. Ouais. C'est-tu quelque chose qui, mettons, dans la vie, t'es-tu quelqu'un qui tripe sur la couleur? Ou, non, même pas. Moi, là, je marche avec les couleurs que j'ai. Je m'en vais, puis là, mettons qu'il y a des spéciaux sur la peinture, j'achète, puis c'est là que je me sers de ça. J'ai pas un plan déjà défini. T'as pas de plan. C'est vraiment... Fait quand tu fais, mettons, une œuvre plus figurative, tu pars d'absolument rien, t'as non. pas de... Sauf quand les gens me le demandent. OK. Des fois, je fais des commentaires. Quand t'as des commandes, ouais. Les gens me le demandent à partir, mettons, d'un Elvis, à partir d'une Marianne ou peu importe. Là, je pars d'une base. Ça m'est arrivé un chien mort. Un chien, le chien vient de mourir. Pas le chien mort d'une personne qui te dit « je veux que tu photo, fasses mon chien ». Comme un membre de la famille, puis ils m'ont demandé est-ce que tu pourrais immortaliser ma chienne. T'as réussi à faire quelque chose? Est-ce que c'était coloré, funky, figuratif? Il voulait vraiment dans mon style à moi. Dans ton style? Ah, c'est cool. Ouais, non, c'est fun, c'est des beaux projets. T'es toujours tout seul? T'as pas de personne qui travaille avec toi? Non, là, je commence en avril des ateliers de... OK. Des ateliers de création. De création? Où ça? Chez moi, à mon atelier. OK. Bon, mais merci beaucoup. Ben là, ça fait que j'ai ceux qui sont à Blacklight. Je sais pas si t'as vu. Non, même pas. T'as pas fait le tour comme ça. Mais non, j'ai pas fait le tour encore. Je t'ai vu, j'ai fait ça sans tête. C'est lui. Ben oui, non, écoute, fais le tour. Bon, c'était toute une entrevue. Hein? Oui, c'est ça. En fait, j'étais vraiment... J'ai accroché son terre qui était au deuxième étage, puis je l'ai reconnu, mais lui, il me connaissait pas, donc... J'avais même pas eu le temps de faire. Sur lui, puis j'ai vraiment vu son expression oui, mais dès qu'on s'est mis à parler là, c'était vraiment magique là. Il était vraiment généreux. En fait, au début, je parle de commande. Ça peut être un peu dur à comprendre pour quelqu'un qui était pas là. Ou en fait qui a pas entendu toute l'entrevue, mais les commandes, en fait, c'est ce qu'on entend par commande, c'est que Santerre va prendre les commandes de pour gens des tableaux. Qui lui demandent pour des tableaux, exactement. Oui, oui, oui. Donc, il fait beaucoup de créations, mais il fait, comme il disait, là, son ratio est quand même, il y a beaucoup de commandes. Et donc, c'est des gens qui vont lui demander carrément, je veux ça, de telle manière. Puis souvent, ça peut être un hommage à un animal, une personne de leur famille, etc. Donc, c'est ça, on va entendre le deuxième segment de l'entrevue avec son père. On va revenir dans quelques instants. Souvent, les artistes sont un peu... je dirais pas humbles, pas chiches, mais tu sais, qui ont peur un peu d'aimer leur travail. Toi, je pense que tu apprécies ce que tu fais. Est-ce que je me trompe? Ben, j'ai appris à l'apprécier. Okay. Ça a pris du temps avant que je dise que j'étais un artiste. Okay. Il y a comme un genre de tabou... Il y a comme un tabou à parce ça. Le monde justement, juge. T'es pas de formation. Non, ben, je suis pas de formation. Là, le monde... À la base... Quand on dit... je fais ça à temps plein. Là c'est 100%. Je suis artiste peintre à temps plein. Puis certaines personnes, quand je le dis aux gens, là, que... Oh, oui. Puis là, tu vois qu'il y a comme un petit regard de pitié ou de comme... Quand tu vis de ça. Ah oui, tu arrives à vivre de ça. Ça doit pas être facile. Mais c'est pas juste ça. Tu sais, les gens pensent que c'est un passe-temps. Tu sais, ils pensent que c'est un hobby. Tu sais, que c'est comme, mais tu vas voir, à un moment donné, tu vas te tanner, tu vas... Ben là, moi, c'est rendu mais que c'est toi, un... Non, moi, c'est ma job, là, c'est... c'est mal... C'est toutes les expositions que j'ai faites à l'extérieur, mais c'est moi là, qui l'a organisé, c'est moi qui a pris les contacts, c'est moi qui a fait le shipping, c'est moi qui... Puis après ça, prendre contact avec les gens, prendre contact pour monter des soirées, pour des expositions, pour des...
des... Comment ça se passe, le Louvre, le Vatican? Est-ce que c'est toi qui... Fait une proposition? Est-ce que c'est quelqu'un qui non, t'envoie quelqu'un... un mail, genre le pape? Ouais, ouais, genre le pape. Non, c'est des visibilités. Moi, ça a commencé, j'ai gagné un prix. J'ai été publié dans un livre à Santa Barbara aux États-Unis, okay. En Californie. Puis eux autres, le prix, c'était que j'avais le droit d'exposer à Miami. Okay. Sauf qu'il y avait, c'était un cadeau empoisonné, ça coûtait de l'argent, ça m'a coûté 3 800 juste exposer une toile. Mais ça m'a ouvert les portes. C'était une grosse exposition pendant le Art Basel à Miami et tout ça. Okay, ouais. Puis ça m'a ouvert les portes. Il y a du monde en Italie qui ont vu l'exposition, qui ont envoyé du monde de Toronto à Dorval voir une exposition que j'avais faite. Puis là, ils ont envoyé un rapport en Italie. Là, j'ai appris que je faisais partie du top... du top 60, top 60 des artistes internationaux à suivre. What? Là, j'étais comme beau. Puis là, il me demande la permission, est-ce que tu veux être publié dans le magazine Top 60 qui va être lancé à Florence en Italie? Il y a une exposition qui est rattachée à ça. Puis, est-ce que tu peux me rappeler l'année de ce partenariat? 2013. OK. Je l'ai été en 2013, en 2015, puis en 2016, dans le Top 60. En 2013, en 2015, puis en 2016? Oui, j'ai juste top... sauté 2014. Wow. Ouais. Okay. Puis ça l'ouvre des portes, puis là, tu reçois des invitations, puis là, tu... Il y a deux façons. Je peux savoir, parce qu'il y a vraiment, il y a comme des requins dans ce milieu-là, puis il y a du monde qui veulent en profiter. Ceux qui m'approchent sur mon email personnel, qui m'approchent avec Éric Santerre, mais là, je le sais que c'est pas vrai, qu'ils ont eu des informations ailleurs qui ont circulé. Puis ceux qui m'approchent avec Santerre, mon nom d'artiste, là, je le sais que c'est avec ça que moi, j'ai travaillé pour approcher, puis tout mon côté professionnel est fait avec Santerre. Donc, quand quelqu'un m'approche avec Santerre, là, je sais que tu veux m'inviter à exposer à quelque part. Ouais. C'est ça, tu m'invites en tant que Santerre. En tant que Santerre. C'est juste parce que, avec toutes les informations qui circulent sur Internet, mais on se ramasse avec, des fois, des fausses expositions ou des expositions, justement, qui vont coûter trop cher, du monde qui vont te charger pour apparaître dans le livre, qui vont des coups. C'est vrai, l'exposition, elle existe. Tu vas vraiment être publié dans un livre, tu vas vraiment être publié dans une revue, sauf que ça va être coup après coup, après coup, après coup. Ouais. Là, ça vient que ça coûte vraiment cher. Mais sinon... Mais merci. Ben Santerre. Santerre, oui. Merci beaucoup, Santerre. Ouais, merci. On te parlait à l'artiste. C'est vraiment... merci beaucoup pour ton temps, puis vraiment tes œuvres. Mais là, j'ai pas fini. Mais non, t'as pas fini. Pas voir que je continue. Puis c'est vraiment... c'est magnifique. Mais t'as manqué mes meilleurs, fait que... Bon, as-tu fini finalement l'exposition? Finalement, j'ai eu le temps de faire le tour et les nouvelles œuvres de Santerre, c'est vraiment surtout ça dont je voulais parler là, ce soir, sont quand même assez différentes de ce qu'il a fait dans le passé. On parle beaucoup de... Là, il y a une collection en ce moment qui sont toutes avec des fonds gold, donc des fonds dorés, et la peinture par-dessus qu'il utilise sur le fond doré et plutôt dans les teintes de fluo. Là. Et ça reste très figuratif, ça reste très post-art, mais c'est magnifique. Et je veux attirer l'attention sur le fait que Santerre fait des encans sur Facebook, sur sa page Santerre, S-A-N-T-E-R-R-E, sur Facebook, donc sa page d'artiste. Il fait des encans de temps en temps. Donc, on fait une mise sur un de ses tableaux et puis le plus gros miseur remporte son tableau. Donc, c'est super intéressant. Ça fait des tableaux à, entre guillemets, quasiment à rabais. Donc, c'est vraiment Santerre, un artiste que j'ai découvert et que j'aime beaucoup. Et que beaucoup, tu recommandes. Oui, je recommande tous ses prochains vernissages. On va se tenir au courant. Excellent. Mais merci beaucoup, Vanessa. Merci. Donc, c'était Vanessa Clark, la nouvelle de l'équipe. Oui, Vanessa, merci. Puis j'entends, là, j'ai comme l'impression que tu vas peut-être éventuellement commencer à collectionner. Est-ce que je me trompe? T'as l'air d'avoir un intérêt à collectionner? J'ai un intérêt à assister beaucoup. Là, au niveau du...
C'est pas encore défini, mais en tout cas, pense-y, tu me reviendras, parce que ce jeudi soir, et justement, tu peux peut-être aller réfléchir et prendre une décision en allant ce jeudi soir à la 9e édition de l'événement annuel tant attendu chaque année. C'est notre fameuse foire papier qui se déroulera cette semaine de vendredi à dimanche prochain. Donc, la pré-ouverture, comme à chaque année, ben, c'est un événement bénéfice et ça a lieu la veille, le 21 avril, donc de 18h à 21h. Et il y a du nouveau cette année, c'est que la foire papier aura lieu au hangar de l'horloge du Vieux-Port. L'accès demeure, comme à chaque année, gratuit. Contrairement, ça c'est important, à bien des foires de par le monde qui sont payantes. Et puis sur place, ben, sont réunies 38 des plus importantes galeries d'art contemporains au Canada, qui vont exposer plus de 300 artistes québécois, canadiens, internationaux. Le deux tiers des galeries sont du Québec, le tiers des maritimes, les provinces de l'Ouest. Et le mandat de la foire, bien sûr, comme à chaque année, on le redit, Jennifer, c'est de sensibiliser le public aux arts visuels et d'attirer des collectionneurs potentiels. Peut-être Vanessa sera une de celles-là plus tard. Oui, effectivement, dans 10 ans, quand j'aurai fait fortune. Voilà. Et foire papier, c'est une belle occasion de faire l'acquisition d'œuvres sur papier abordables, estampes, dessins, collages, sculptures, photos. C'est l'occasion aussi d'opter pour une œuvre unique, d'encourager l'art, plutôt que l'achat d'affiches, illustrations produites en série vendues en grand magasin, genre IKEA. Hein? Excellent. On le redit à chaque année, Jennifer. Oui. Jennifer est une collectionneuse. Ouais. Alors, ça, on n'en parle pas aujourd'hui. Iras-tu à foire papier, Jennifer? Sûrement. OK, excellent. Absolument. Et je voudrais remercier Catherine Blot. Merci à vous de m'avoir invitée. Merci, c'était génial. Et merci à notre nouvelle chroniqueuse, Vanessa Clark. Merci à vous de m'avoir accueillie, encore une fois. Et puis, pour nos fans de Facebook, je vais vous faire entendre une dernière chanson, encore de Flunk. Vous allez pouvoir entendre la chanson qui s'appelle Down. C'est de l'album This Is What You Get. Vous avez entendu trois albums aujourd'hui, deux autres, Morning Stars, For Sleepyheads Only, and This Is What You Get. Donc, la semaine prochaine, tu as sûrement plein de surprises pour nous. Oui, oui. Et puis, je vous souhaite à tout le monde journée. Autour de la table, bonne fin de semaine. Bye-bye. Radio Centre-Ville est à la recherche de nouveaux projets d'émissions dynamiques et percutants. Si le bénévolat vous intéresse, si une expérience radiophonique vous tente et que vous avez une heure ou plus de disponible par semaine, contactez-nous sans tarder au 514-495-2597. Venez nous rencontrer pour discuter de vos idées et nous vous aiderons à les transformer en émissions radio. Radio Centre-Ville, pour vous, par vous. 514-495-2597. Contribuez au maintien de la seule radio communautaire multilingue de Montréal. En donnant maintenant de façon sécuritaire sur radiocentreville.com, vos dons sont déductibles d'impôts. Radio Centreville. Radio Centreville. Radio Centreville. Radio Centreville. 102,3 FM, un monde différent. Radio Centre-Ville, 102,3 FM.